À l'instant, Youssouf Boundou Sylla, bonjour. Les grandes gueules. Voilà, Boundou, vous êtes le coordinateur du site d'information Guinée News. On sait que vous vous réveillez à peine. L'article sur ce détournement de 200 milliards par la ministre de l'enseignement technique a été révélé par vous. Dites-nous d'abord que l'information que vous nous révélez est fondée et que dites-vous de la réaction hier du gouvernement? Écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Généralement, si vous avez bien remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop parler à la presse, même si j'aime faire parler les gens. Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 24 ans, 25 ans maintenant, j'écris de façon bénévole et j'assure la coordination générale de Guinée News de façon bénévole, une manière pour moi de contribuer au développement de mon pays. Cela dit, avant d'écrire tout article de presse, mettre ça en ligne, je me mets à la place de la personne contre laquelle j'écris souvent et les personnes qui répondent à son nom. Donc, je m'impose une certaine rigueur intellectuelle avant d'exiger aux autres. Donc, en ce qui concerne cet article, tout le monde sait que moi, je ne raconte pas des palivernes. Les faits sont très clairs et ils sont têtus. On ne peut pas les déformer. On est habitué à la République à s'attaquer à la réputation d'honnêtes gens qui se battent tant bien que mal à participer au développement de leur pays à leur façon. L'été étant là, le président de la République, qui est le garant de toutes les institutions de la République, il est au courant. Moi, c'est le côté que j'apprécie beaucoup dans la mesure où un bon politicien, il s'assoit, il écoute toutes les parties et avant de trancher. Donc, ce qui est écrit, tel que je l'ai écrit, je maintiens les propos, les faits sont là, les lettres existent. Et ça est là-bas, au niveau de l'administration publique guinéenne. Les gens sont au courant, ils viennent juste noyer le poisson et je ne suis pas prêt à m'engager dans un tel jeu. Mais celui qui tente de s'attaquer à ma réputation ou à la réputation de mon site, écoutez. Vous dites que les lettres sont là, les faits sont là et nous l'avons perdu. On aurait aimé savoir si effectivement en recoupant Antoine et on a pu mettre quand même ces lettres, tous ces documents à sa disposition, parce que c'est important de le savoir avec tout ce qui a été dit hier. Parce que les éléments de Manuel, auraient encore vraiment soutenu davantage tout ce qui a été révélé. Oui. Quand vous les écoutez, Boundou, il y a une telle assurance dans ses propos. Je prends seulement la partie concernant le ministère de l'enseignement technique, les examens nationaux. Ce n'est pas difficile à prouver ça. Quand il y a un budget qui est voté. Il est de retour. Alors, on parlait tout à l'heure de ces éléments de preuve dont vous parliez, notamment les lettres et tout. Est-ce que vos sources ont pu les mettre à votre disposition? Écoutez, Madame Yerobal, je ne suis pas un néophyte dans les journalistes d'investigation. Même devant n'importe quelle juridiction, je ne peux pas exhiber mes preuves. Je les ai, je suis obligé de protéger mes sources, sinon les sources vont tarir. Ce qui est important, c'est le contenu de la lettre. Dans un état normal, avec un gouvernement responsable, on ouvrirait une enquête au lieu de se mettre à défendre l'indépendant. C'est aussi simple que ça. Je dis, c'est que je me réjouis que M. le Président de la République il connaît tous les tenants et aboutissants qui appellent. Les grandes gueules. Ils sont là-bas. Les ministres de la République qui sont impliqués dedans, ils ont été convoqués par le président de la République. Vous êtes des journalistes du terrain là-bas. Informez-vous, vous aurez tous les détails entourant ce problème. Ce n'est pas une chasse à sorcier, au sorcier là qui est engagé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attaque à une personne comme ça. Avant d'écrire quelque chose, je m'assure que ce que j'écris est consommable. Donc, vous êtes en République de Guinée. Parler aux autorités, elles n'ont qu'à jouer le jeu. Alors, on parlait là du recoupement d'informations. C'est vrai, vous avez eu des articles. Est-ce que vous avez recoupé l'information avec Zainab Nabaya? Et puis l'autre chose, par rapport à l'organisation des examens nationaux, je voudrais que vous nous expliquiez très bien. Vous dites, on a non seulement majoré le montant qui avait été sollicité, mais on a payé finalement que 15 milliards pour organiser ces examens-là. Oui, mais vous savez, je vous ai dit, je me rends compte que vous n'avez pas très bien lu mon article. J'ai pris le bon soin
comme je disais, je suis pas novice en la matière. J'ai contacté Madame la ministre de l'enseignement technique pour lui faire part des détails de mon enquête. Elle m'a envoyé un paragraphe laconique en ce qui concerne sa réaction. Elle voulait pas s'étaler trop là-dessus. Donc moi, ça a aiguisé un peu ma curiosité pour aller en profondeur des choses. Si vous avez très bien lu l'article, vous verrez que ce qu'elle m'a donné comme réponse se trouve dans l'article. Donc en ce qui concerne les 15 milliards là, vous êtes là-bas encore une fois de plus. C'est 43 milliards qu'elle a demandé pour pouvoir organiser les examens de sortie au niveau de l'enseignement technique là-bas. Donc les 40 milliards ont été décaissés, mais il y a que 15 milliards qui ont été dépensés dans le cadre des examens qui ne suffisaient pas, tel que je l'ai relayé dans l'article. La différence, les 28 milliards, je vais poser la question à Madame la ministre, où c'est parti. Mais en tout cas... D'accord. Alors, Monsieur Bounduka... Écoutez-moi très bien. Le chef service d'examen ne peut que, si vous voulez, confirmer l'utilisation des 15 milliards. La différence, Madame la ministre, c'est où c'est parti. Posez-lui la question. Bundu, aussi là, l'autre question, toujours par rapport au contenu, au-delà de ces 43 milliards, il y a également, on parle de 56 milliards lorsqu'elle était encore DAF au ministère de l'Agriculture, mais également de 100 milliards qui auraient été, disons, dont le déficit existe au niveau du ministère de la Santé. Une telle information peut-être impliquer tout le cabinet dans ces différents départements. Est-ce que cette sortie du gouvernement, on peut dire que c'est parce que plusieurs têtes pourraient tomber qu'on voudrait protéger au nom d'une solidarité gouvernementale, Madame Zainab? Oui, je ne sais pas à qui parle, est-ce que c'est Jacques, je ne sais pas, je ne connais pas... Djiba Milimono. De tous les gens. Voilà, Monsieur Milimono, vous êtes à Guinée, vous savez que avant même l'arrivée d'Alpha Condé, il y a un système de collision qui a toujours gangréné l'administration publique guinéenne. Donc, je vous renvoie à la question, est-ce qu'un seul individu peut prétendre détourner tout ce montant en d'argent tant qu'il y ait des conflits. Donc, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois de plus, si M. le Président de la République veut donner un nouvel élan en ce qui a trait à la moralisation des ressources publiques, il n'a qu'à diligenter une enquête beaucoup plus sérieuse, aller en profondeur des choses pour pouvoir dénicher tous ceux qui se servent des deniers publics de façon impunie et de façon vraiment arrogante. C'est un système de collusion. J'insiste, persiste et signe là-dessus. Vous avez dit toujours dans le même article que le chef de l'État aurait piqué une colère noire tout en demandant à Madame Zainab Dramé de revendre, selon cette information, ses biens à l'étranger, mais aussi ici même en Guinée, pour pouvoir rembourser l'argent. Est-ce que vous le confirmez toujours? Je peux confirmer, ça risque de me tromper, et les acteurs qui sont impliqués dans cette situation, vous pouvez... Le ministre du Budget, il est là-bas, Ismaël Diouaté. Le ministre des Finances, il est là-bas, Mamadi Camara. Le gouverneur de la Banque Centrale, posez-leur la question si monsieur le président de la République ne les a pas convoqués, ne les a pas écoutés pour comprendre réellement tout ce qui n'en revient pas, comment ça puisse être possible qu'on puisse abuser les deniers publics de cette façon. Donc vous êtes en Guinée, vous êtes des journalistes, aiguisés, allez en profondeur des choses. Moi, je vous ai donné des pistes. C'est à vous encore de continuer à revenir avec de nouveaux gars. En ce qui me concerne, je reste très serein. Et je vous promets que les jours qui vont suivre, il y aura d'autres révélations qui vont tomber. Mais on ne peut pas inventer la roue. Tant et si longtemps qu'on n'a pas une documentation sur quelque chose, on ne peut pas se permettre d'affirmer d'emblée. Encore une fois de plus, la présidente est là. Elle est pétrie de talents, des gens qui sont capables de faire des choses pour conformément aux normes liées à notre civil en matière de finance internationale. Il y a aussi l'inspection générale d'État qui est là. Il y a l'inspection des finances qui est là, l'agent judiciaire de l'État est là, il y a même la police économique. Donc si on veut faire des choses sérieuses, qu'on crée une commission pour aller investiguer en profondeur les choses, vous verrez des choses de vos yeux et vous ne serez même pas étonné parce que on connaît comment les choses se passent en Guinée. Justement, les choses sérieuses dont vous parlez, après une telle sortie, ce communiqué qui se réserve le droit de saisir la HAC, mais aussi de saisir la justice pour éventuellement poursuivre d'éventuelles sources qui auraient donné ces informations. Est-ce que vous pensez qu'il y a ne serait-ce qu'une petite chance qu'une telle révélation puisse avoir une suite? Eh bien, écoutez, Madame Yero, le communiqué du gouvernement, vous l'avez lu, comme moi,
Vous avez vu la réaction de Guinée-News qui n'a même pas tardé. Dans un état normal, encore une fois de plus, au lieu que le gouvernement se fasse d'un communiqué, on aurait pu s'asseoir, réfléchir, en profondeur, ouvrir une enquête pour aller de l'avant. Mais l'intimidation, puisque là, le gouvernement veut faire un semblant de solidarité qui ne tient pas. Les gens qui savent, qui sont impliqués dans cette affaire, ils n'ont qu'à monter et défendre là. Un jour, la vérité jaillira. Mais l'intimidation, ni Guinée-News, ni Youssouf Bondoussila, dont je suis, vraiment, ça ne nous ébranle pas du tout. Nous resterons serrés et on va poursuivre notre travail conformément à la ligne éditoriale qu'on s'est tracée. Donc le gouvernement peut prendre ses trompettes, raconter tout ce qu'il veut, mais nous nous resterons serrés et on va agir à la hauteur du communiqué qui sera émis éventuellement. C'est un semblant de solidarité gouvernementale. Quelque chose qui s'est passé, les faits sont là. Encore une fois de plus, je me réjouis de tout ce travail puisque M. le Président de la République, il est au courant des détails près, il s'assoit, il lit seulement. Mais il sait qui a fait quoi et comment tacler ce problème. Donc il a les clés de ce problème-là. S'il veut donner vraiment un gage certain au peuple de Guinée, il va vers la bonne direction cette fois-ci dans le cadre de la moralisation des ressources de l'État. Bien. Youssouf Bondoussila, coordonnateur général du site d'information guinéenews.com.